Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer, surtout pour les enfants, une façon d'envelopper un cadeau sans papier cadeau. Vous allez voir, c'est rigolo, c'est joli et c'est facile. J'ai utilisé du papier de soie, du papier cellophane, des ciseaux à découpe, un crayon, un fil et des cure-pipes. Tout d'abord, on va prendre des feuilles de papier de soie. Donc le papier de soie en général c'est des feuilles rectangulaires et nous on veut faire des rondes. Donc j'ai pris trois feuilles vous avez vu, j'ai pris trois feuilles de papier. Je vais faire des découpes dans trois feuilles. Donc pour faire un rond, si vous n'osez pas le faire à main levée, eh bien, vous prenez un crayon, un fil. Avec une main, on tient le fil, voilà, au milieu de la feuille, et avec l'autre main, on prend le crayon et on fait un rond tout autour en tirant fort comme ça, vite, enfin bien tendu, et ça fait comme un compas, voilà, et on fait un rond. D'accord? Donc ça, c'est une façon de le faire. Après, on prend les ciseaux à découpe, si vous en avez. Sinon, je vais vous montrer après comment faire. Des ciseaux à découpe, et donc on découpe tout autour notre rond. Voilà, on découpe avec les ciseaux. Le problème de ça, c'est que le papier de soie, il est très fragile, donc des fois, les enfants, peut-être que vous ne pourrez pas faire, ça va se déchirer. Donc, une autre façon de le faire, la feuille, vous la pliez en quatre, comme ça, hein, bien à part égale. Voilà. Le centre, voilà, que là, il est à droite, mais que je veux le tourner à gauche. Voilà, la pointe, voilà, que c'est le centre, voilà, là, il est à gauche. Ça sera le centre du rond, du cercle, d'accord? Donc, on va faire le même système. Une fois qu'elle est bien pliée en quatre, on prend le crayon avec le fil ou la ficelle, d'accord? Et le centre, c'est la petite pointe, d'accord? Et après, on va faire un quart de rond, hein, tout simplement. On va faire un quart de rond puisque là, il est plié en quatre. Donc, on fait un quart de rond. Si quelqu'un tient la feuille, c'est mieux parce que voilà, elle bouge des fois un peu. Et après, avec les ciseaux à découpe, eh bien, on peut découper, toujours plié en quatre. Comme ça, il y aura quatre. Du fait qu'il y a quatre feuilles, on arrive à découper mieux. Hein. Certains, ils arriveront à découper mieux. D'autres, ils seront plus à l'aise en coupant la feuille de soie simple. C'est comme vous voulez. Bon, ça, c'est une façon de le faire que je vous donne. Après, je vous dis, vous faites comme c'est le mieux pour vous. D'accord? Et une fois que c'est découpé, vous ouvrez, voilà, et vous avez votre rond. D'accord? Voilà. Après, quand on n'a pas des ciseaux à découpe, eh ben, on prend, donc on coupe, on plie la feuille en quatre, toujours, que ça soit, voilà, une fois qu'on a fait le rond ou avant, et après, avec des ciseaux normaux, eh ben, on prend et on fait des découpes, voilà. Par exemple, là, j'ai fait des petits pics, voilà, des petites pointes. Donc, vous pouvez faire des petites pointes, on ouvre, et voilà, nous avons tout autour des pointes. Après, je vais faire, ici, par exemple, je vais faire des coupes comme ça, toutes simples, et ça fera comme des franges. C'est un autre modèle. Une fois qu'on a toutes les couches de papier, on va dire, moi, j'ai mis trois couches, voilà, une de chaque couleur, trois. Et après, enfin, on va les mettre, et tout au fond, on va mettre, voilà, la première, on va mettre une feuille de un rond aussi que j'ai découpé en papier cellophane. Hein, moi, il est transparent, mais vous pouvez faire aussi des couleurs. Vous mettez votre cadeau au milieu, faut pas qu'il soit trop grand, sinon on n'aura pas assez de feuilles, elles ne seront pas assez grandes. Voilà, vous mettez votre cadeau au milieu et voilà, feuille par feuille de papier, vous allez ramasser au milieu, voilà, par-dessus les cadeaux, de cette façon, en tenant avec une main et avec l'autre, on ramène le papier. Si vous mettez du cellophane transparent, vous pouvez mettre entre les cellophane et le cadeau, vous pouvez mettre un dessin, des confettis, des petits cœurs, voilà, une photo, ce que vous voulez. Et après, avec un cure-pipe, voilà, on met autour, on tourne, et voilà, le tour est joué. Et bien voilà, nous avons un joli paquet cadeau. Hein, fait sans papier cadeau. Bon, et eh bien j'espère que cela va vous plaire, que vous allez le faire, que vous allez faire des jolis cadeaux à plein de gens. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.